Et nous revoilà sur O-Gaming TV 2 pour cette soirée LCSNA. Beaucoup de matchs en perspective. On a eu un TSM contre Curse pour cette première game qui était pas mal du tout. 50 minutes assez close. Et au final, TSM s'est imposé. XSpecial avait un peu l'air déçu. Déçu de ne pas prendre sa revanche contre ses anciens mates. Il était plein de rage. Mais maintenant, on va se concentrer sur le prochain match. Et s'il est allumé mon micro, on m'entend ? Ouais, c'est bon. Donc je disais, on va se concentrer sur le prochain match qui est Complexity Gaming, Call, contre LMQ. Ouais, LMQ, c'est cette équipe donc, qui a gagné ses deux premiers matchs hier, ouais. 2-0, ils sont bien, ils ont montré de belles choses. On voulait voir un peu ce qu'ils donnaient contre les grosses teams NA. Ils ont montré qu'ils avaient le niveau, ils ont battu CLG. Et donc voilà les LMQ qui sont archi favoris dans ce match-up. Complexity Gaming, ouais. qui a perdu son match. Avant c'était grosse tombe. C'était Complexity Black et c'était CLB l'abréviation. Maintenant c'est Complexity Gaming. En tout cas, on va présenter cette team de LMQ. Bon, ouais. Vous la connaissez bien sûr avec Vassili Ankariadé et. Oui, le micro devant la bouche, on m'entend, c'est bon. 1-2-1-2. Vassili Ankariadé et Ciao Ciao. Donc j'ai appris hier que le X en chinois se prononçait CH. Merci. Ciao Ciao. Ciao ouais, Ciao Ciao. Ciao ouais, Ciao. Oh, yeah. Tu te fais bien. Merci. Alors, et 3 c'est, ans de chinois. C'est ça. En 6ème. Ouais. Non, mais j'ai fait League of Legends, deuxième langue, hein, parce qu'on a tout un vocabulaire. Ouais, il y a beaucoup de. Ouais. Bon. Tu apprends plein de choses en anglais, c'est vraiment pour développer ton anglais. Il n'y a pas mieux que jouer aux the jeux vidéo. The best of the best. Voilà, c'est comme ça, vous fait un bon plan pour jouer aux jeux vidéo tranquillement. Mais je révise mon anglais. Non, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais les jeux vidéo, ça fait progresser en anglais. Ouais. Peut-être pas autant que les séries, si tu les regardes en sous-titré anglais, mais c'est, vraiment, ça fait progresser, je peux vous le confirmer. Ouais. Et bon, après l'accent matin, t'as peut-être pas l'habitude, mais pour ce qui est de la compréhension, c'est vraiment important. Voilà. C'était le moment professeur Mad qui vous conseillait. Mad. Donc on disait les LMQ qui sont très favoris. Par exemple, hier, la game contre les CLG, ils avaient très mal commencé et ils sont revenus dans cette game de manière très professionnelle. Ils ont fait quelque chose de vraiment très très pro, hein, très pro. Et ils sont revenus alors qu'ils avaient vraiment plus d'inhib ou je sais plus. Vassili, juste ouf. Ouais, ils avaient fait un beau comeback de ce que j'ai vu. Il avait Vassili qui avait été très bon, Xiao Wei Xiao, ouais. qui a montré un Yasuo du feu de Dieu. Et donc voilà, il a prouvé que LMQ avait les capacités de faire quelque chose dans ces SNA. Pourquoi pas prétendre à la première place. J'attends le C9 contre LMQ. C9 contre LMQ, on l'attend tous. Ce sera une belle affiche. C'est quand? C'est ce soir ou demain? C'est possible que ce soit demain. Je vais aller vérifier sur l'Olisport. Donc, ce soir, les TSM vont faire leurs deux matchs contre les Complexity Gaming. Après on a Dignitas, donc après ce match on a Dignitas contre Evil Genius EG, puis on aura à nouveau on aura TSM contre Complexity Gaming et le grand match qui est LMQ contre Cloud9 qui sont les deux favoris. Ce sera demain soir, donc ça fait 16 games en tout dans cette Super Week. Ce sera même pas demain soir, ce sera la semaine d'après, je pense. Ouais. D'accord. On devra attendre un peu avant d'avoir cette très belle affiche. On a quand même ce soir là, on a des gros matchs. Hein. On va Dignitas finir vers 3h. C9. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir ce que donnent les Dignitas contre les C9. Les nouveaux Dignitas. Ouais. Ils sont au point. Sinon, sur tout ce qui est les match-up entre EG et d'autres équipes, Cole et d'autres équipes, je sens que les autres équipes sont vraiment au-dessus de ce que peut être actuellement EG et. Ouais. Et Complexity Gaming. Donc je sens vraiment Complexity et EG, c'est les deux équipes du bas de tableau qui vont avoir du mal dans ce split. Sinon, tous les autres ont leur chance, peuvent faire quelque chose. Les Curse, même s'ils sont perdus les deux premières games, ils ont plutôt pas mal joué. Ils étaient au niveau. Il faut voir. Le split va avancer. Et à n'importe quel moment, ça peut se retourner et on peut avoir beaucoup de surprises.
Voilà, donc on attend le début de cette game. Pour l'instant, on va se concentrer sur nos petits LMQ. Vassili. Et Complexity. Sur votre écran. Voilà, Vassili. Et là, non, mais ça, c'est. Je crois que c'est. Et je le confonds avec Jungle. Broken Shard parfois, le gros. Comment ça? Bah, tu vois, il y a Broken Shard avec la barbe, Xayo. Tu sais. Oui, Kiawa et Xiao. Ils ne sont pas trop du tout. Non, Broken voilà, Shard et Israël. Au milieu, c'est Kiawa Xiao, le mid des LMQ. Enfin, il est un peu caché là, mais c'est Broken Shard. Et voilà, Broken Shard. Qui est son vis-à-vis, mais dans la jungle. Moustachu au fond. il y a notre Buddha Bud national Buddha qui sera Bud là préféré, aussi. Avec sa fameuse Karma Support. Pas mal du tout. A fait et la Karma Support. Karma Support qui vient tout droit du Mexique. Non, l'accent mexicain, on a encore. C'est ça, on a du mal. On doit progresser, il faut se le dire. Le plombier portugais ou mexicain. Je sais pas. Faudra faire un choix. Tout ça vient du chat, bien sûr, parce qu'il y a masse de trolls sur le chat. Nous, on n'y est pour rien. Bon, les Pikéban qui vont commencer. Nidalee, on revient sur un ban Nidalee. Contre le mid des LMQ qui est très fort dessus. De toute façon, quel que soit son mid, même avec des mids assassins, il arrive quand même à suivre le decrease par minute. Ouais. Les LMQ ils bannent les main champions de Broken Shard et Pro League. Voilà, c'est un focus ban sur l'adversaire, pas tellement les champions OP du moment, mais voilà, c'est des deux équipes qui se bannent les champions les plus forts de leurs adversaires. Les Complexity, ils savent qu'ils doivent ban des mids. Ils craignent vraiment Kiao et Kiao de loin. Ouais, faut pas tout laisser à Vassili. Si tu lui laisses son Twitch ou son Grave, c'est assez monstrueux. Et le ban Jax. Tout simplement pour éviter d'avoir un Ackerman sur son Jax. Il est vraiment très fort avec ce champion. Je suis un peu moins fan de son Venekton. Mais bon, Westris aussi, même pendant les matchs de qualification, quand ils ont battu les Ghosts, ce n'était pas le point fort de son équipe. On avait vu un grand Broken Shard et un grand Pro League. Même Robert Ixley avait été au niveau et Westris un peu en dessous. Allez, Westrice. Westrice qui est un joueur. C'est pas. Il n'a pas toujours été présent en première ligne, on ne le connaît pas aussi bien, mais c'est un des premiers joueurs de LoL. Il était chez Curse, chez TSM. Il a vraiment fait un début de carrière assez importante et il est là depuis le début. Il n'a pas eu la chance d'être dans les LCS depuis un bon moment. Allez, et il revient avec les Complexity. Est-ce qu'il peut nous montrer qu'il est toujours ce joueur au niveau pic. 7 secondes pour le pic. Ils ont fait leur choix. De l'Ouest. Et Kassadin, pique, Instalock, c'est normal, il n'a pas été ban. Il est tellement ban, et là, direct... La Pro League qui revient même pas, il en rigole. Oh putain, mais ils m'ont laissé Kassadin. Kassadin. Et Pro League, on va voir le ban rate du Kassadin, vous le voyez, 85%, 6 games sur 7, waouh. Et Kassadin, donc, qui est first pick, instant lock, ça, on verra le Kassadin de Pro League, voilà. Allez, en face, évidemment, classique Shyvana Thresh. Thresh pique avec le ban de Morgue, il n'y a pas mieux niveau bot lane. Ouais. Shyvana aussi, le dragon de la top lane qui va essayer de s'envoler dans cette partie. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'open là du côté des Complexity ? Broken Shard là, il a sa petite boule de déstress dans la main, son petit papier. Ouais, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui peut aider. Vraiment. Éviter d'avoir la main. Allez, t'étouffe pas. Oui. Respire. Voilà, petite anecdote. Respire, Broken Shard. Petite anecdote, la dernière, lors du BO, il nous avait fait un peu peur en mode j'arrive plus à respirer, je suis trop dans le mal. Ils ont mis la game en pause parce que le mec était pas mal, ouais. Il sentait pas bien. Voilà. Mais heureusement. Tout allait mieux, Vassili sur son S, j'adore son Allez, S. Allez, c'est parti. Allez, lock. Ça serait beau, mais je pense qu'il va plutôt partir sur un Twitch. C'est ce qui serait le mieux, je pense. Est-ce qu'il pourrait faire une Caitlyn. Caitlyn. Non. Kiao et Kiao qui font faire la technique double carryadé. Mais je pense que c'est faisable. Caitlyn mid, c'est pas mal du tout. Ouais, mais non, mais il y a plus trop de dégâts AD là, c'est pas possible. Mais bien sûr. Oui. Allez, Kiao et Kiao qui continue à réfléchir pour son mid contre Kassadin. Qu'est-ce que vous piqueriez, vous?
C'est pas mal, hein, une Caitlyn contre Akasa, tu dois plutôt pas mal le stomper en early. Bah attends, d'accord, c'est vrai que t'arrases bien, qu'il en prend plein la gueule, mais au bout d'un moment, il va te jump dessus et t'OS, ouais. Oh bah, tu le E, tu le kite, et voilà, quand t'as une BT et que lui, le pauvre, il a rien, c'est... Après, c'est quand même assez facile de gank une Caitlyn. Mais on en est à parler du match-up Caitlyn-Kassa au mid. Ouais. Allez, moi, je sais pas trop. La Leblanc, peut-être. Hein. Elle est ban, la Leblanc. Qu'est-ce qui peut nous sortir Lulu, peut-être. Lulu, Shyvana, c'est un bon combo. Pourquoi pas la Lulu de Kiawa Kiao. C'est pas un de ses picks préférés. Hein. Il pique pas Lulu pas très souvent. En plus de jouer support, il répare votre plomberie, Boudadab. Appelez-le au 63-76. Assistance, Boudadab assistance. Allez, c'est parti. Et un Malphite. Allez. Malphite. Voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Malphite top de Westrise avec un TP, prêt à intervenir sur les lanes dès level 6 avec une grosse ulti. Et on aura donc en bot lane Boubadub pas sur J'aime sa karma. J'aime bien la compo des Complexity là. Je mettrais pas un centime sur eux, mais si j'avais à préférer la... Je préfère la compo des Complexity. Et voilà, comme on l'avait dit, Lulu, Shyvana. Hein. Ah, mais c'est trop dur là, regarde. C'était un trash. Peu obvious. T'as le Lulu. Oh, le Twitch va être tellement god mode, ça va être difficile. Allez, lock ça, lock moi ça là. Ouh, ça aussi, ça pourrait être pas mal. Il reste 10 secondes. Mais je pense que ça serait préférable de prendre 5 secondes. Allez, il faut lock. Mort qui jouera trash. Et c'est donc Soraka. Voilà, c'est lock. On a les compositions des équipes pour cette game. Ça fait les switches. Hein. Vous connaissez la composition des équipes. On ne les présente plus. Voilà, donc qu'est-ce que tu penses de ces compos? Qu'est-ce que vous pensez, vous, le chat? Donnez-nous... votre pronostic pour cette game. Voilà. Quelle équipe voyez-vous s'imposer dans cette confrontation? Est-ce que c'est les Chinois de LMQ ou les petits nouveaux de Complexity Gaming? Ah, ce sont petite tous les question. Deux des petits nouveaux, sauf que LMQ, ils ont beaucoup plus d'assurance et ils ont fait des... Enfin, je trouve qu'ils ont démontré... ils ont montré un plus beau niveau, voilà. Au niveau de la compo, moi je trouve que sur le papier, les Complexity ont mieux pick, je dirais, hein. Le Kassadin qui est pick, Malphite, j'aime bien le Malphite. Ça peut être pas mal du tout, hein. Ouais. S'ils arrivent en late game avec ce Malphite qui va faire quand même pas mal de dégâts, s'ils arrivent fort en mid game, je vois pas comment Vassili va pouvoir s'en sortir, même s'il prend du heal, les dégâts de Kassa sont quand même assez bons. Tellement de jump. Et voilà, ça fait beaucoup. Et le jungler, c'est qui? C'est Kha'Zix, je crois. Hein. Ouais, donc ça va jump dans tous les sens. C'est une compo de gros jumper. Beaucoup de mobilité dans cette compo. Tout ça pour sauter sur le Vassili. Vassili qui a piqué quoi comme carry AD au final? C'était parce qu'il avait pas, il était parti Twitch, sur Chetlin. Twitch. C'est un Twitch. Ah ouais, le Twitch, là, on va faire du rat. Il va y avoir du rat ce soir. Il va en prendre plein la gueule. Hein. Le Kassadin qui va lui sauter dessus. Pareil pour Kha'Zix aussi. Et enfin, Malphite. Voilà. Malphite. Ouais, les trois qui vont... ils ont pick Malph Pour avoir cet engage, pour... Ouais, parce que Malph, je trouve que c'est un peu sous-estimé. C'est pas une phase de lane excellente. Il a été up. Mais en mid-game... Ça a été, c'est très bon. Il a été up à la 4.7. Bon, c'est un petit up, c'est vrai. Hein. Et le Z est passé à 25 de mana. On s'en fout totalement, c'est vrai, mais le Z. Ah oui. Le Z est passé up. À un énorme up. Non, bref. Et pendant ce temps-là, c'est parti. Les fans sont en folie. Complexity contre LMQ. Nous sommes partis dans cette deuxième game de cette soirée. Et ça va pas. Allez, c'est parti. C'est beaucoup de parties. Hein, est-ce que t'es chaud? C'est parti pour cette partie qui est partie. Ouais, non, mais c'est bon. On s'arrête. Allez, les entrées de la jungle qui sont. Voilà, toujours cette petite ward. Et on couvre les entrées de la jungle et on ward. Voilà, en attendant la petite invade. Flacon pour la top lane, Malphite. Flacon pour notre cher Prolix, qui est un peu plus normal. Mais voilà, beaucoup de.
un flacon. Voilà, voilà. Vous voyez, pourcentage. Ça fait longtemps que j'ai pas vu deux flacons dans une team. Ouais. Petite anecdote. Bah, quand il y a des fils, généralement, on voit un flacon. Vous voyez 79% de vote pour la victoire. DLMQ contre seulement 21% pour l'école. Gros avantage pour CLMQ. Et encore, hein, c'était à peu près ce même pourcentage pour TSM contre Curse. Curse qui a joué le jeu jusqu'à la 50e minute. Donc les Complexity ont leur chance. On l'espère, on y croit. En tout cas, que la game ne sera pas que dans un sens. Voilà. Et là, Zira, quand elle place un route au bot, c'est un peu comme la cage de Morgana, vous voyez. Elle place un route et derrière, ça, si en teamfight, elle place un route sur Vasily, c'est la fin du rat. C'est la fin du rat. En bot lane, derrière, t'as le Lucian qui peut placer son ulti. Ouais, d'accord. Alors toi, tu te tais, t'as plus le droit à la parole. Voilà. Zira, ouais, dans le chat, il trouve que c'est pas mal face à un Thresh. Parce que contre un support aussi puissant, faut bien choisir. On a qui clean sa jungle très rapidement. Pas d'invade, pas de swap. Moi, je suis content que, est-ce que tu montes le... Alors, quel... Je crois que tu montes le Zen maintenant sur... Non, on a dit pas n'importe quoi, please. Sur Kassa. Non. Tu peux up le Q si c'est contre un AP. Et si c'est pas. Un... Faut up le Q, hein. Faut être le Q, et si jamais t'es contre un AD ou un CAC, ou ouais, faut monter Z, il me semble. Je sais pas. Hein. Xayo qui push beaucoup. Pour l'instant, c'est pas mal parti pour Proly. Attention, Kiawa Kiao qui a pris son level 2 avant, il la push grâce à son Z, c'est normal qu'il passe level 2 avant. Derrière, il reprend un peu d'avantage. Proly avait bien poke au Q. Moi, pour Proly, il y a plus de regen au niveau des potions. Ouais. Mais Xayo, il va se monter petit à petit. Oulala, il prend pas mal de dégâts. C'est très agressif sur sa façon de jouer sur cette mid lane. Proly qui est pas trop mal. Il a utilisé pas mal de potions, mais il est encore bien. Donc Westrice perd un peu sur cette top lane face à Karman. C'est normal. On pourrait voir un gank rapide du Kha'Zix. Ça serait pas mal du tout. Hein. Donner l'avantage à un Kassadin en early, c'est destructeur. Hein. Le Kassadin après qui roam toute la game. Ouais. Je suis content qu'il n'y ait pas de swap lane parce que j'avais envie de voir vraiment les match-up normaux. Broken Shard qui arrive sur sa mid lane, il n'y a plus de silence, hein. Il pourra flash assez facilement. Allez. Mais là, Elise qui est là. Elise c'est eux qui le sent. Il le sent, le truc venir. Bah, on est à 3, entre 3 et 4 minutes, c'est le premier gang. Ouais, mais il va rester longtemps là pour essayer d'apporter un peu de. Ou l'arrivée de Broken Shard. Le heal qui a été utilisé par Xayo. Ouais, Xayo. Au final. Voilà. Ouais, il préfère jouer safe en haut. Vous voyez le farm Westrise qui se fait casser la gueule. Hein, ah voilà. En fait, c'est Ackerman qui a bien push au début. Vous voyez, il a un level d'avance. Derrière, le Malphite qui est sous sa tour pour farmer, il en rate beaucoup. Il a déjà une wave. Il a déjà perdu une wave. Voilà, le flash in. Mais l'Ignite qui n'est pas parti bah, puisqu'il n'avait pas d'Ignite. Ouais, et en fait, il a fait beaucoup de plan. Attention, mort qui fait beaucoup de dégâts. Vasily qui va aller mettre le maximum de tick pour pouvoir mettre son E et le maximum de dégâts sur son poison. Voilà. Et Nonem qui est arrivé sur la mid lane. C'est qui est vraiment c'est agressif pas là. Oh là là. Agressif, le E, oh, il passe, le cocon ça suffira. Peut-être pas. Attention, Nonem. Non, malheureusement. Il a bien gardé son E après le flash de Proly. La portée du Q qui n'était pas présente sur Soraka. Et Ackerman qui a fait un move ballsy et qui a failli réussir. Ah bah ouais. Attention, beaucoup de dégâts pris sur Vasily. Dadov qui fait du bon boulot, du bon taf. Ouais. On l'aime bien ce moustachu, c'est la mascotte. C'est la mascotte de O-Gaming. Enfin, c'est notre support préféré. Attention, le E trop agressif. Ça va. Oh là là, mort. Il nous fait une Yellow Star. Il a tout raté. Et qui va tomber. Il va tomber. Oh là là, le First Blood, Booba Dub. Moustachu en force. Moustachu power. Pas mal du tout. Il joue à l'Ignite au bot, Moustachu. Ouais. Il joue à l'Ignite. Normal. Qui comme ça. Très spécial, le move de... Il a tout raté. En fait, il a juste tout raté. Il a Q-in, alors qu'il n'y avait pas besoin. Ouais. Derrière, il rate son E, mais alors pas à côté, hein. C'était à 10 km. Ah non, mais sous la pression, parfois, tu... Attention, un route un peu raté. Vasily qui sent que ça arrive. C'est un duel, c'est du 3 contre 2. Robert Xli qui est très low, qui prend un coup de tour, qui se heal. Et Nonem qui finit Robert Xli. Oh, Vasily qui va s'en sortir avec son vu. Quel joueur. Bien joué de sa part. Il a réussi. Ah. Marrant ce petit bac. Ratus le Raver.
Et ça est bien sorti. 1 pour 1, c'est pas très mal. Très grillé de la part des Cole. Je pense qu'ils auraient dû prévoir ça. L'arrivée d'une jungle. Non, ce n'est pas passé malheureusement. Ils ont utilisé des summoners pour rien. On revoit l'action. Robert X qui est là. Là qui prend l'aggro. Hein, donc il, no name qui ne peut pas. Organshard qui flash in. Et là malheureusement, oh, le fût. Et voilà. Le Z qui a raté. Organshard qui s'est retourné du mauvais côté. Pendant ce temps-là, au top, Malphite qui s'en sort comme il peut, c'est pas dégueulasse. Avec son. Il est en 0-21-9, Malphite. Donc il a des cookies. Ouais, c'est normal. Il a des cookies à disposition. Et il a sa flasque et son nano, comme ça il peut spam Q. Xayo qui est en train de dominer cette mid lane. Un peu de farm davantage, mais pas tellement que ça. Et Proly qui s'en sort pas trop mal dans ce match-up. Ouais, les wards sont posés, les ganks sont pas trop possibles. On va peut-être avoir un gank sous tower de la Elise. Allez, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle farm la Wraith. Le Malphite qui s'en doute, hein, qui va aller voir. Level 6. Attention, no name, il a été vu. Ils ont une conscience de ce qui se passe, ils commencent à connaître vraiment le jeu sur le bout des doigts. Ils arrivent même à prévoir des ganks qui sont pourtant censés être super sneaky. Pour les back, attention, ouais, Mort qui fait Boubadub, qui prend pas mal de dégâts, mais Mort qui a pris l'aggro. Attention, Vassili qui met. Over X League contre Vassili, il change des coups. Et là, c'est Ackerman qui va récupérer le bleu. C'est le moment de prendre. Ackerman ou No Name qui a récupéré le bleu. Brokenshard a un bleu sur lui, donc comme il est en 0-0-0, il l'a forcément eu. Ah, au final, c'est Brokenshard qui l'a eu ? Ouais, bah ouais, forcément. Donc, ils l'ont bien aidé. Ouais, c'est ça. J'allais dire autre chose, ils l'ont bien machin, mais bon. Faut faire attention sur gaming. Il y a des âmes sensibles. Joueur. Et voilà le bleu qui est donné à la Soraka par No Name. Attention au spider. Ouais, c'est bon. Pas de. Il s'est quand même donné attention au Bouddha Dub. Qui mort. Qui hit un peu plus si aucun il s'applique. Il y a quand même tout à l'heure. Il avait fait une grosse erreur tout à l'heure, mais là il s'est donné un kill au moustachu. Ça porte malheur. Hein. Ça porte le mec te fait en des général, trucs. Il te snowball quand même assez vite. Hein. C'est comme la note de frais quand il est plombier. Fait payer le max. C'est ça. Zermaker. Tous les mêmes. Bref, le Kha'Zix qui a pris son raid, il va acheter son item. Donc évidemment, il y a plus de, on se pose plus la question. Hein. On n'a pas vu une seule Feral Flare hein, en jungle. Bah c'est surestimé. On en voit encore pas mal en solo queue, mais vraiment, ça met trop de temps à ce stack maintenant. C'est pas aussi fort qu'à 25 stacks. Et il faut passer trop de temps dans sa jungle pour pouvoir avoir de l'impact. Ouais, heureusement que c'est pour la game. Qu'il a son shield. Parce qu'il a été nerf et en plus il a eu oui. la durée pour l'avoir et enfin le nombre de sbires à tuer est beaucoup plus important. Ouais, c'est plus jouable. Ouais, je vois comment c'est jouable, mais pas dans ce genre de situation, dans le compétitif comme. Ce genre de game où il y a pas mal d'agression. Ouais. Comme disait le chat là, ça pas trop à voir, mais le Kassadin a perdu son point, donc il est mal. Voilà. Attention. Non, s'il y a plus c'est attention, Brokenshard qui prend pas mal de dégâts, No Name qui est dans la mêlée, qui va faire son E, qui va. Boudadub qui prend tellement de dégâts. Boudadub, attends, No Name doit sûrement avoir son flash encore, mais le E est raté. Il se décide peut-être à revenir dedans, mais non. Il y a encore. Non, l'ulti a été utilisé sur Xayo et Xayo. Donc tout va bien. Ils vont peut-être commencer ce stack. Ce serait pas stupide du tout. No Name qui va se derrière, faire ils peuvent faire un Drake. Attention, oui, le Kassadin qui est là. Kassadin. Il va pas pouvoir. Il va rien pouvoir. Il a rien. Il a pas un seul item Kassadin. Il part sur séculaire. Road of Age, comme on dit. L'arme. Parfois, normalement, c'est tu fais une larme, un séculaire derrière Rabadon. Volstaff et tu finis ton alarme. Alors qu'à Westris qui s'est fait bloquer. Ça. Ah, bien joué de la part d'Ackerman qui a interrupt le TP de Westris. Ouais. Oula, c'est pas passif ce qu'on nous fait, Broly. Ouais, il s'est fait totalement embarrer.
Moi, je trouve qu'au top, là, c'est dommage que Westrice ne se soit pas un peu reculé pour essayer. Ouais. Il aurait dû se préparer. C'est tout ce qu'on lui demande hein, avec son ulti, c'est d'intervenir avec son TP. On sait qu'il va pas rip sa lane, ça on le savait, mais il a perdu un TP. C'est vraiment dommage. Dommage. Donc derrière, les LMQ qui sont devant, ils ont un K7, bientôt 2K gold d'avance, parce qu'ils sont en 2-1 et qu'ils farment mieux. Hein, globalement, regardez au mid, ça farme mieux. Au top, ça farme mieux. Voilà. Toutes les LMQ. Sauf Allier. Ce farm là, voilà. Un peu de mal. Attention, Xiao, ouais, Xiao qui est un peu oom. Donc, pour lui. Il y a push un dernier Q, non, qui va juste voilà. B, je pense. Pas autre chose non, à faire. Non, il vient de B pour lui, hein. Tu vois, il a sorti, il a transformé. Non, je parle pour. Je parle pour. Ah oui, pour Soraka. Cette fois, évidemment, on va pas avoir la même Soraka. Hein. Ça va partir sur Graal. Graal, ouais. Bien sûr. Parce qu'il y a toujours la question du ou le Graal ou le Morel Onomicon. Mais là, bien sûr, ça serait Graal. C'est parti. Voilà, un peu de POC. Ouais. Xayo au niveau du farm il est largement devant. Un petit 3 contre 2 au bot. Il y a la Elise qui est en ninja gank, on va voir un beau gank, un lanterne gank. Attention, agression pour Colly. Est-ce qu'on pourrait voir au bot le lanterne gank s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Oh là là, il a pas le timé, Vasily qui a pris énormément de dégâts, Broken Shard qui est là, mais attention, No Name fait la différence, Boudadev qui a tombé, Ackerman qui est arrivé au bon moment. Ackerman, est-ce qu'il va pouvoir tanker? Non. Et c'est un retournement de situation, Proly qui arrive dans la mêlée, Vasily qui prend énormément de dégâts, Vasily qui va peut-être pas tomber, Proly qui va tomber, Ackerman qui fait tellement de dégâts. Oh là là, mais la fin, 3-4 pour 0. On est à triple kill de la part de la Shyvana. Alors là, Ackerman il est archi bien là. Ouais. Waouh. C'est terrible quand même le petit gank, on s'attendait à un beau truc, à un beau lanterne gank. Le mec a pas cliqué, regarde, hop. Il a enlevé le... C'est joué à rien. Ouais, ça s'est joué. Vasily qui a bien flashé le tassement là, l'ulti qui fait la différence, hein. Il aurait pas survécu sinon. Oudad qui tombe, la Carman qui fait café. Ulti mon gars. Waouh. Et là, Proly, ils ont tenté quelque chose, c'était pas mal, mais Vasily tombe pas sur le coup, il n'a pas encore assez de dégâts. Proly, il a pas de flash. Et Malphite qui rate sa game pour l'instant, parce que là, Malphite il est au top quoi. Ouais. Il a même pas une puissance de push ouf quoi. Pas mal hein. Il s'est fait, pardon. Interrupt son ulti tout à l'heure. Le truc qu'il faut faire, c'est ou tu te caches ou alors tu TP exactement en même temps que la Shyvana quoi, pour une intervention au bot. Pour l'instant, tu vois, Shyvana 3-0-1 avec son stuff là, elle vient de push une tour. Enfin, là, elle est. Allez, on va voir un peu comment ça se passe. Ouais, non, mais elle a rien à craindre. Oh là là, un petit gangbang. Proly, le R. Attention, Ackerman qui est low. Ackerman qui a fait flash out. Est-ce qu'il aura la lanterne? Et Ackerman qui s'en sort. Voilà, ça c'est vraiment du beau jeu, c'est ce qu'on veut. LMQ qui sont devant, hein. c'est très propre ce qu'ils nous font les LMQ. Ils sont à 5K gold d'avance, 2 tours à 0, bientôt 3. Les complexités qui font du jeu, hein, mais qui arrivent à créer quelque chose. La lanterne a vraiment permis de sauver... Tout simplement, c'est pas mal. Voilà. Attention, Sneaky, qui est dans la tourmente, Vasily. Il est quand même vachement tanky. Mais est-ce que ça suffira? Attends, il va se retourner peut-être sur Vasily. Plus rien. Non, allez. Pas possible. Non, mais il croit quoi? Ça reste un rat. Attends. Ouais, bon, là, il a failli tenter un truc, ça aurait pu être pas mal. Parce qu'il a déjà sa Sunfire hein, quand même. Mister Maxitano. Il avait pas son ulti. Hein. Ouais, attention, Robert Isti contre Ackerman. Il est dans la tourmente. Proly qui a beaucoup d'impact. Là, est-ce qu'il va encore avoir son R pour pouvoir essayer de faire le maximum attention, de dégâts possible? Ackerman. De la part de Robert Isti. Ackerman qui est à 10% et qui va s'en aller. Sauvé par l'ulti de Xayo. Et pendant ce temps-là, Xiao qui push au mid, aidé de son jungle No Name. C'est parti. Avoir le temps de grand chose puisque Mister Moustache Pouba Dub est là. Ça dépush. Sauveur de son équipe. West Rice aussi est ici. Allez. Donc là il n'y a plus trop d'ulti de up.
Ils vont se contenter de préparer le Drake. Vraiment, c'est ça le prochain objectif. Là, faut back. Vassili, faut back. Parce qu'il y a un Drake qui arrive. En plus, les Complexity qui viennent défendre leur tour top, donc il faut back. Non, il n'y a pas d'autre choix. Ouais, la vision qui est prise par les LMQ au Drake, vous voyez, il y a deux belles pinks. Le Drake qui est dans 10 secondes, Robert Exley qui est... Ackerman, ouais. Il est tout seul là au bot, il est vraiment bien, il a sa Banshee, il va vraiment être difficile à tomber. Il y a tellement de dégâts AP. Sa Banshee. Ouais. Il a fini sa Banshee avant sa BOTRK. Est-ce qu'il est sérieux? Bah normal, top lane, son vis-à-vis et fait des dégâts magiques. Proly, c'est des dégâts magiques. Boudadub, c'est des dégâts magiques. Au final, voilà, bon, attention, le TP. Acereac, et non, il a été cancel. Cancel volontairement. Ouais. Il suffit de rappuyer, mais est-ce qu'il s'est. C'était TP de qui? De Westris, et c'est encore plus par Shimana. Non, il s'est pas fait ulti puisqu'elle l'a encore, donc je pense qu'il l'a enlevé pour réduire le CD. Ouais, d'accord. On est toujours d'ailleurs, un misclé. Si vous... Attention, Broken Shard qui est dans la tourmente, qui a E à out, Ackerman qui fonce dedans. Ackerman qui prend beaucoup de dégâts, là là, Westrise qui arrive pour choper. Oh là là, no name. Destructrice. No name, no name. Attention, il re-rentre dans la. Il y a les heals de Kiao à Kiao qui permettent de revenir un peu, de retenter quelque chose en fight. Ah, c'était l'intervention de Malphite là. Boum, enfin. J'arrive. Enfin, une belle intervention de ce petit Malphite. Mais ça ne suffira pas cette fois. C'est vrai qu'il est un peu behind son utilité. Derrière, ça fait un autre Drake pour les LMQ. Et j'allais te dire tout à l'heure, tu parlais du TP. Si vous faites votre TP sur une tour, vous gagnez quelques secondes. Une cinquantaine de secondes, une minute, voilà. Donc, sur le CD du. Donc, si vous voulez revenir sur une lane, TP sur une tour. Tour. Bien sûr. Faites pas les malins en faisant un TP sur. Attention, Robert Exi qui est dans la tourmente, et là qui va sur le kill. Qui va tomber. Mort qui prend le kill. Mort qui prend le kill. Ah, c'est pas pro ça. C'est pas très non. Pro. Bah alors. C'est pas très pro tout ça. Attention, on va sur la top lane, on va voir. Proly qui essaie. Oh, mais Proly. Qu'est-ce que c'est? Il a fait le fou. Grosse erreur. Vassili qui a absolument pas fear contre un Kassadin. Généralement, quand t'es carriadé, tu fais un peu dit, des fesses contre un Kassadin, mais là. Mais en fait, le Q, c'est que des dégâts magiques qu'il prend. Donc, au final, il s'est dit, allez, j'ai un shield, mais non, le shield ne le protège pas contre son adversaire, c'est-à-dire Twitch. Je trouve que Proly, il fait pas une game folle. Hein. Regarde la différence de farm. Proly, en fait, le Kassadin, il est censé roam. D'accord, il est behind au kill, au farm, mais au moins, il revient au niveau des kills. Et là, Kassadin, non. Il est en 0-2-0. Pas un assist, pas un kill. Il est à 80 farm, presque 100 farm de différence. C'est vraiment. Il a même pas fini son premier item pendant que, voilà, Xayo a fini son deuxième, là. Il va pas avoir le temps de faire une Tears. Je sais pas si ça vaut le coup à ce moment-là. On est à 20 minutes, il a toujours pas d'item Kassadin 2. Pareil pour Malphite, il a pas mal raté sa game. Et Malphite est mieux déjà. Et le Lucian aussi qui est en 0-4-2. Waouh. Waouh, on est déjà à 9 K gold de différence pour les LMQ. 19 minutes. À 19 minutes, 4 tours à 0. Comme on l'avait prévu, c'est un stomp. Les Complexity, on les aime bien quand même hein, avec ce moustachu. On veut les voir tenir jusqu'au bout, on veut voir du beau team fight parce que Malphite, c'est vrai que c'est pas courant. On veut voir du beau Malphite. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est vrai que ça reste quand même un stomp. Hein. Clairement, c'est un peu dommage. Allez, c'est parti, seul... il nous faut un beau team fight. Le E était beau, allez, le Sapa, les Stris, allez, une lanterne. Oh, est-ce qu'il a flash pour prendre la lanterne? Ouais, il a flash. Attention, Noné qui prend énormément de dégâts. De Westrise, belle ulti. Vassili qui god mode là, qui. Allez, trop dégâts. L'arrivée d'Ackerman. Ackerman qui fait tomber Broken Shard. Pardon. Robert Exley qui est dans la tourmente. Un peu de kiting de Robert Exley. Ouais. Ils vont passer de l'autre côté. Attention. Et le Fufu est lancé. Le Fufu est lancé. Vassili est là. Arrivée de mort. Oh là là, le rat qui flash in. Non, ça ne suffira pas. Ça fait 3-12 à LMQ qui continue à rape totalement les 1 pour 2 et pendant ce temps là bon, Charles qui est alors non c'est pas la hitbox de la lanterne. Matt pense que la hit
Elle a fait un petit flash. Ouais, elle a flash. Attends, regarde le CD. Ouais, elle a flash. Tu as raison. Et bah voilà. Il faut continuer à voir parce que quand même, c'est des teamfights qui sont vraiment pas mal du tout à regarder. Moi, j'aime bien. Et j'aime bien aussi voir le Twitch faire le fou. C'est assez marrant. Vassili, quand il commence à être bien dans une game, Vassili, il est confiant, quoi. Il commence à faire le fou. Bah, il peut se permettre, voilà, ouais. Il joue. Il n'a pas beaucoup de CS d'ailleurs cette game, ce qui est un peu improbable, puisque d'habitude c'est vraiment un très gros farmer, un peu comme Xayo, Xayo. Ouais, mais bon, il est en 5-0-3, quoi. Voilà pourquoi. Là, il est en train de partir sur un Last Whisper. Il y a du Malphite en face, mais sinon il n'y a pas un seul, il n'y a pas un poil d'armure. Hein. Regarde le stuff des Complexity, il n'y a pas un poil d'armure. Je sais pas si c'est très judicieux. Je pense que c'est une IE plutôt. Une IE pour un Twitch. Là, on approche les 12K gold de différence à 22 minutes. Cette game va vite se terminer. Ouais, il n'y aura pas trop de soucis. Mais attention, LMQ, Broken Shard qui prend un hook, Vassili, et il a pas la vision Vassili, il ne peut pas, enfin je sais pas, il n'y est pas allé. Non, il a décidé de se replier tout simplement parce que il pouvait pas utiliser son Q du E de Zira. Et là, comment tuer la game? Eh bien vous forcez un H. Un split push. Vous forcez un H et derrière vous avez Ackerman avec le TP qui va split push. Voilà, c'est comme ça qu'ils vont essayer de tuer la game. On va voir comment les Complexity vont réagir. Stress qui se colle, qui va contre Ackerman pour essayer de défendre. Ackerman qui a l'air facile. Le gros tas de cailloux. Oulala, attention Ackerman, un peu de guidance quand même. Pendant ce temps-là, c'est la tour mid et l'inhib qui vont tomber. Ils prennent un inhib pour assurer un attaque. Une bonne engage. No Name qui fait pas mal de dégâts aussi, Ackerman qui va au milieu, Boudadab qui est dans la tourmente, Westrice qui a toujours pas utilisé son ulti et qui est vraiment mal. Fait peu de dégâts, de la part d'Overxley. Broly qui doit flash out et pourtant... Ça fuit de tous les côtés. Westrice a toujours son R. Oh là 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 là, c'est terrible. C'est terrible ce qui vient de se passer pour les Complexity. Hein. Ils se prennent un 0-2. Enfin, ils sont pas encore pris un 0-2, mais... Ils se font stomp hein, dans cette LCSNA. Clairement, c'est l'équipe un peu faible de ce Summer Split. Voilà. On va voir un peu. Vous pouvez s'y attendre hein, quand même, les LMQ et les Complexity. C'est pas la même classe. Ouais. On s'en était déjà rendu compte pendant les. Attention, Vassili qui va pop sur Overxley. C'est la mort peut-être. Oh là là. Attention, l'arrivée. L'arrivée de Vassili. Proli qui prend énormément de dégâts. Oh là là. Et dommage, vraiment dommage. Les dégâts purs. Les mouches Les mouches du Twitch. Yes. Oh là là. Il dit d'ailleurs, non, ça ne se lave pas. Les mouches ne partent pas au lavage. Non. Il dit ça si vous jouez avec le son. Oh, une ulti d'Oestris. Oh, il va avoir son R. Il va avoir son R. L'ulti comme ça. Oh non, c'est sûr pas. Poisson. C'est pas. Allez, elle est mort. Ni mort. Tu les as pas pris. Xayo meurt pas, ça me va. Tu l'as pris dans ta Team Fantasy avec le White Joe? Yes. Ouais, moi aussi, je l'ai pris. Après, moi, je prendrais comment s'appelle-t-il, Vassili, Afromou parce qu'il est marrant. Non, Vassili Boubadub. La bot lane avec du charisme, beaucoup de charisme. Voilà. Allez, ils essayent de push, ils se laissent pas faire. Hein, Il faudra trouver un deuxième carré AD avec la moustache pour que ça soit le max de swag. La bot lane des moustaches. Voilà. Bon, c'est parti pour les Complexity. Ils se donnent à fond jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ils vont tout tenter. Hein. Ils vont tenter le tout pour le tout. Hein, il faut conteste ce Nash. Il commence à clean les wards, il commence à prendre la vision. Là, il y a le Malphite qui a back, le Malphite qui a plus ulti. Voilà, il devrait la garder pour les teamfights. Pardon. Il devrait la garder pour les teamfights, son ulti, le Malphite. Non, il a même pas eu l'occasion de le faire sur la teamfight. Ils sont tellement derrière qu'il peut pas en fait initier un teamfight. Parce que derrière le Malphite, voilà, il a pas trop d'hommes. Hein. Il part sur un Abyssal pour Sazira, pour son Kassadin, mais quand même, il a pas trop d'hommes. Il a juste le CC de l'ulti, quoi. Il a pas assez, il va avoir quand même un peu de dégâts, mais ça sera pas comme Ackerman. Ackerman, il est tanky, mais en plus, il est présent. Il peut à peine zoner Vassili. Une farm de chair midlaner des LMQ
296 à 25 minutes. Mais là, on reconnaît bien Xiao Aikiao, le farmer de qualité, farmer chinois, vraiment de qualité. Voilà, je t'avais coupé, je sais plus pour dire quoi, mais... pour dire ça. Non, avant, on était en train, limite, de parler en même temps. Comme les pires. Voilà. Attention, non, mais ils nous mettent une fenêtre pour dire que la top top va tomber. Non, mais merci. Attention, c'est les LMQ qui vont partir sur un trap. Trap mort qui va mettre des... Trap. Allez, Mthieu, non. Ouais, non, ça a été vu, hein. Ils savent que... Attention... La lanterne, Carman qui arrive par derrière, Dadev, est-ce qu'il peut défendre, Ackerman qui va faire tomber, oh, il a flash out, Westris qui est là, mais est-ce qu'il va avoir le temps de R, le temps de faire quelque chose, il a raté tout le monde. Il a raté, les complexités font une game dégueulasse, mais qui parle sans retenue, c'est pour une game dégueulasse. Ils ont été atroces, immondes, vomis. Et bref, les LM2 qui se perdent, voilà, qui vont prendre ce Nashor. Oh là là, les Complexity qui reviennent à la charge. Allez, les Complexity, last chance. Ils font zéro dégâts. Last chance, non, ils font zéro dégâts. Rien du tout. Allez. C'est impressionnant. Xiao, est-ce qu'il peut tomber quelqu'un? Il le flash in. Attention, Broken Shard, ça va être difficile de survivre. Il a pris le tic de poison. Est-ce que ça suffira? Oh là là. Et le double kill là, les mouches pour notre cher Vassili. Voilà, that flies. Il y a des mouches de compétition avec lui, Twitch. Twitchouille, la fripouille. Allez, et les LMQ qui s'envolent vers une troisième victoire et qui prennent définitivement la tête du classement des LCSNA. Attention, le dragon qui s'envole et qui back. Pop, Westrice, il ne peut plus rien faire, malheureusement. Proly qui prend tellement de dégâts sur le coup. Oh là là, le flash in, flash cocon, Proly. Allez, on casse tout là. La mort, attention. Oh, mais tellement. On casse tout, hein. On finit le rape comme il se doit là. Xeo, il est tellement tranquille, il est tellement bien dans sa game. Et Broken Shard qui maintenant ne prendra pas le cocon, mais qui va avoir du mal, il va tomber. Oh non. Mais c'est double kill encore une fois pour Vassili qui va finir en 10-1-5. 10-1 quoi. Vassili qui est en 10-1-5, pas mal du tout. Les Complexity depuis le début, ils ont pris pas évident. Bah là vous avez la pire team contre la meilleure en fait. Hein. Donc Xiao qui a bien farmé, il ne hausse pas le sourcil d'un centimètre pour lui. J'ai bien farmé. J'ai bien farmé pendant cette game, Xiao, il a fait je crois 15 kills par minute. Ouais, il était assez impressionnant au niveau du le farm, mec, il a fait que ça. 300 en 25 minutes, 325 minutes, genre waouh. Allez, on serre la main. Tranquillement, on va défoncer, y'a pas de soucis. Non mais c'est... Ça a l'air déjà si dur pour les Complexity dès la première semaine, dès qu'ils arrivent en dessous de ces équipes. Vraiment dommage. Et on voit une classe d'écart entre ces deux équipes. Et je pense que les LMQ sont en train de montrer que c'est les favoris de ce split avec les C9, avec d'autres équipes qui, pour moi, beaucoup d'équipes peuvent tenter leur chance sur ce split. Ouais, il y en a 3-4 qui sont devant. On va dire les Dignitas, les LMQ, les Cloud9 et pour finir les TSM. Je crois qu'on est d'accord, c'est quand même les quatre grosses teams qui sont là pour ce Summer Split. Dignitas aussi, hein, on va voir Dignitas pour la prochaine game. Le prochain match, on regarde, c'est Dignitas vs EG Evil Genius qui reste un gros morceau de CLCSNA. On se retrouve dans 10 minutes, désactivez Adblock pour soutenir au gaming. Et restez avec nous pour cette très grosse game qui arrive. Ouais. Dignitas contre EG Evil Genius. À tout de suite sur Gaming. À tout de suite.